Bonjour à tous et bienvenue. Alors on se retrouve pour l'épisode 3. Alors là c'est en train de charger. Donc on avait fait le plein ici. Sans que j'ai plus de sous. Alors je crois que c'est pas... Je sais même plus par où c'est là. Non. Pour info, on est en pleine journée, alors parce que les deux précédents épisodes c'était de nuit. Trousse de soins. Et du coup là, je pense que je serais un peu déjà moins effrayé. Alors attendez, puisque j'ai combien de flingues là? J'ai deux flingues, deux clés anglaises, c'est ça? Alors, mon petit drone, alors... C'est quoi ça? Ok. Peut pas ouvrir ça. On va monter. Voilà, pas casser mon robot. Oui, bah j'ai pas fait exprès. Alors... On sait que là, ça a une grosse une Thompson, c'est ça? Bon, ça fait quoi là? Ah ouais. Ouais, bon. Je suis par là. Ah! Je crois que c'était mon robot qui parlait. Il reste du monde, ils sont où? Ah, c'est bon, je peux descendre en fait. Et je suis là! Je vais carrément casser mon robot, moi, si ça continue. Oula. Il est où ce robot là? Ah, il a dû être. C'est la réparer? Bon, on veut y aller. Ouvrez bien l'œil si vous voyez Stadman. Ce sombre crétin tient boutique dans l'aile chirurgicale. Pour le trouver, suivez les traces de sang.
incident pose de nouveaux problèmes aux professionnels de la médecine. L'évolution de nos outils entraîne celle de nos canons esthétiques. Voyez-vous, jadis, j'étais heureux d'enlever une verrue et de révéler l'être humain qui se cachait derrière le monstre de pouvoir. Mais c'était avant. Nous faisions, n'est-ce pas, avec les moyens du bord. Avec la dent, la chair humaine redevient cette argile originelle, ce matériau brut, riche d'une infinité de possibles. Ne serait-ce pas criminel de notre part de ne pas sculpter cette argile encore et encore jusqu'à ce que l'œuvre soit là, devant nous, inondée de sa perfection? Bon, on va lancer un piratage. J'aime bien ce petit truc là, c'est assez marrant. Par contre, je vous avoue, avec la manette, c'est pas top du tout. Je pense que je vais quand même me lancer avec la souris. Ça peut pas être pire. Ça ne pourra aller que mieux. Voilà. Non. Comment on fait terminer? Oup là. Ouais, j'ai pas besoin de soins pour l'instant. C'était juste pour m'amuser. Oh putain, il m'a fait peur quand même. Ouais, peut-être pas que j'aille dans l'eau. T'as tiré sur quoi toi? Ah! Pirater la tourelle. Non, mais la tourelle. Ah oui, c'est celle-là. Mais elle est toute cassée là. Ouais bon. T'es où toi? Bon, j'ai envie de voir ce qu'il y avait là-bas. Ouais non, c'est... Alors là, des munitions, bon, on n'a pas à avoir besoin. On va aller quand même voir qu'est-ce qui se passe par là. Encore un truc. Non. Ah, mais ici, il y a un truc. Mais non, c'est là où je reviens, moi. C'est quoi, des bombes à sentir?
flamme éternelle. Picasso, voyez-vous. Sacré Picasso alors. Les a représentés par des polygones, des cubes, des formes abstraites. Le monde a crié au génie. Pendant toute ma carrière de chirurgien, j'ai modelé les mêmes formes encore. Les caméras de sécurité, j'entends ces machines infernales tout autour de vous. Ce sont les yeux et les oreilles de Ryan. Ah. Bon, je crois que c'est trop tard. Alors, où sont les caméras? Parce que moi, je les vois pas. Ah oui, ce serait ça là-bas. Alors j'ai eu des munitions spéciales, je sais pas trop c'est quoi. Ok bon. J'ai juste envie d'essayer. Le pirate génétique permet à votre corps de convertir l'énergie modifiée lors d'un pirate. Ah bah c'est cool ça. Alors description, cet emplacement est vide, ok. Fortifié. Bon. Ouais, la caméra. C'est bien par moment d'être curieux. Vous êtes... Bon, il n'y a pas de caméra ici, je crois. Un parasite rôde dans les couloirs. Voilà. Incinération quand vous devez absolument mettre le feu, n'attendez plus. Bon bah d'accord, c'est cool ça. Nous rebâtissons notre cité et les incrédules envoient une mouche souiller notre onguent. Nous offrons 1000 Adam à celui ou celle qui lui clouera les ailes. Vous allez mourir ici maintenant, parasite. Bon du coup, il se passe quoi là? Ce lieu nous appartient. Il est à nous. Alors... Vous allez mourir ici et maintenant, parasite. Oula, oula, oula. Bon, c'est avec modération qu'il faudra utiliser ça. Oui, carrément, carrément. Je veux pas cramer. Et il n'y a pas moyen de l'éteindre? Non, ça s'éteint tout seul, ouais, ok. Peut-être pouvoir casser la porte, enfin la fenêtre. Non, juste des égratignures. En tout cas, le feu, il a l'air de... Bon, vas-y, on passe. Ouais. En tout cas, ça fait des paquets de dollars. J'ai encore des munitions spéciales en bas? Ah non.
Alors c'est quoi ça? Il n'y a rien là? Non, bah non, je reviens d'ici moi. Ouais. C'est quoi ça? Ah, oh, c'est une lampe torche. On peut pas passer. Bon, ok. Un peu bidon. Allez! Ouais, mais en fait, on revient au point de départ là. Bon, bon. Bon, on va peut-être suivre l'objectif. Allez. Non, par là. Oh bah, c'était tout simplement ici. Non, ça s'ouvre. Bon, au moins déjà on peut se garder. J'entends ce gros son. On se croirait le soir de la fête nationale. Les explosifs sont une denrée rare ici. Mais si vous mettez la main sur un plasmide. Alors, testons le piratage qui soigne. Oh là déjà. Mais j'ai rien. Non. Ah oui, bah en fait, ça m'a pas fait du bien. La vache. Et là, c'est pas facile. Non. Ouh, c'était chaud. Bon, je pensais que ça allait soigner, mais non. Donc. C'est à cause de mes cheveux, Jim. Je me les garde un peu plus tous les jours. Tu sais, le problème ne vient pas de tes cheveux, mais de tes chaînes. Hé, j'ai pas envie de m'injecter des trucs. Mon ami m'a dit que c'était dangereux. Ton ami n'y connaît rien. J'ai envie de spécifique pour essayer le néo-capillot. Non seulement tu auras des cheveux magnifiques, mais en plus, il n'y a aucun risque. Des cheveux magnifiques? Et sans aucun risque? Je crois qu'il est temps que j'aille essayer Néo Capilo. Oh, je vais être fou de ce petit truc là, ça va être marrant. Évidemment, si je fais mal. Bon, non, non, bon, le soin. Nickel. Alors, je sais pas du tout ce qu'il faut que j'aille. Oh, la porte s'ouvre.
qui s'est barré par là, bah je crois qu'il y a rien, on peut rien faire. On va revenir en arrière, on va voir. Bon déjà j'entends qu'ils sont heureux. Oh, l'enfoiré. Ça ne marchera pas très longtemps. Non, mais regardez-vous. Viens par ici. Tu me fais perdre mon temps, espace. On est revenu en arrière là. Allez, crame. Pommes frites, ok. Truc de soin. Je suis beau. Je le sais bien. Regardez-moi. Pourrais-je affiner davantage cette perfection cosmétologique? La dent et mon scalpel m'ont métamorphosé. Mais ai-je pour autant atteint ma perfection? Qu'arrivera-t-il si ce n'est pas le talent qui m'abandonne, mais bien plutôt l'inspiration? Donc, on tourne en rond. Pas cool. Pas cool du tout. Bon, je vais mettre fin à cet épisode et puis dès que je retrouverai le chemin, bah, on reprendra sur le prochain épisode. Allez, bye!